Bon, ça, on le verra en cours plus en détail, mais je vais le refaire un peu moins vite en expliquant les différentes parties. Donc ça va commencer au moment où on est sur le Fa qu'on laisse traîner dans le couplet. On peut le faire comme ça, ou alors juste sur la dernière corde. Donc on est par rapport au capot, première case, troisième, première, à vide. Et une fois qu'on a fait à vide, on déplace sa main, parce qu'on va devoir mettre le majeur sur la 11e case. Ensuite, on a un petit legato sur 4 notes. Un legato, c'est quand on gratte une fois et qu'on fait sonner avec la main gauche. Donc là, ça fait en gros, sur la dernière corde, on gratte une fois quand on a tous les doigts placés. Parce que vu que c'est assez rapide, il vaut mieux les placer tout de suite. Donc l'annulaire en 12, le majeur en 11, l'index en 9. Et on gratte une fois comme ça. Puis après, on enlève les doigts un à un. On s'arrête à l'index et on remet le majeur. Donc ça fait 12, 11, 19, 11. Voilà. 12, 11, 9, 11. Après, on revient en dessous. Donc, on est sur la corde de Si. 12, 12, on revient une fois sur la corde de Mi, 9e case. 12, 11, 12 sur la corde de Si à nouveau. On se replace sur la 11e case de la corde de Mi pour amorcer à nouveau le legato. Ensuite, on revient sur la corde de Si, on fait comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, on va s'arrêter ici, sur l'index, cette fois sur la 9e case de la corde de Si. Et puis on va enchaîner plusieurs fois 12, 9, 12, 9, comme ça. Donc 12, 9, 12, 9, 12, 9, 12, 9, 12, 11, 11, 11, 12, 9, 10. Après, ça recommence. Cette fois-ci, pour commencer, au lieu d'être ici, on va être là. Donc 10, 10, 10, 12, 10, 9. Et après, ça repart exactement comme tout à l'heure, ce qu'on fait deux fois. Voilà. On verra ça plus en détail quand on se verra en cours. Mais essayez de regarder ça un petit peu quand même. Écoutez-le surtout. Écoutez-le beaucoup, peut-être au ralenti, comme ça, essayez de le reproduire avec ce que vous entendez. Et ça devrait être pas mal. Ciao!